Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo d'Oculus Quest 2 sur la chaîne Versinge et Torix. Et j'en profite pour tester un sacré jeu et une sacrée licence. Il s'agit de Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Et oui, ça y est, j'ai l'Oculus Quest 2 à la maison, je l'ai enfin reçu. Après quelques mésaventures concernant le prêt d'un casque pour pouvoir le tester, ça y est, je l'ai en ma possession, je vais pouvoir tester de nombreux jeux, en tout cas tous les jeux que me proposeront Oculus pour faire des vidéos et des tests pour Gameblog notamment. Je suis content de pouvoir tâter de ce jeu, et graphiquement, honnêtement, avec la dalle de l'Oculus Quest 2, c'est clair qu'on est au-dessus de tout ce qui existe en réalité virtuelle, même si ensuite le casque étant autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de PC ou de console pour fonctionner. Les graphismes des jeux sont toujours un petit peu voilà, inférieurs à tout ce qui existe ailleurs, mais c'est pas grave. C'est quand même ultra net, très joli pour cette puissance. Allez, trêve de bavardage, on va lancer le jeu. C'est parti. Alors je joue assis, c'est juste pour des raisons pratiques, pour rester bien en face de la caméra et surtout parce que j'ai le câble du micro ici pour vous parler. Il faut pas que je le tire, sinon je vais tout casser. Voilà, donc je joue assis. Oh, un casque de réalité virtuelle, ça commence bien. De réalité augmentée. C'est super beau en fait, hein. En tout cas pour l'instant en intérieur. Il y a un gros bouton rouge, j'appuie dessus. Ouais. Alors c'est bien beau, mais le jeu s'est lancé sans que je puisse aller dans les paramètres. Et évidemment, on va quand même mettre des sous-titres. Voilà, sous-titres en français. Alors pour les besoins de l'enregistrement de cette vidéo, je passe par le cast directement sur PC. Donc j'envoie la vidéo et le son sur le PC. Et c'est le son qui arrive sur le PC qui re-rentre dans mes écouteurs. Donc je profite pas du son direct du casque, mais je n'ai pas d'autre solution pour pouvoir enregistrer ma voix tout en ayant le son du jeu. Une poubelle qui marche. Très bien. Et je sens que le son ne va pas être super bien sur la vidéo à cause du cast qui est de médiocre qualité. J'espère qu'au moins la vidéo sera bonne. Ok. On dirait... ça ressemble à chez moi en fait. On passe des portes et il y a des salles remplies de trucs. Ici aussi? Ah non! C'est un peu mieux rangé ici. Je prends, je sais pas ce que c'est mais je prends. Je m'en fous. Je suis dans un jeu vidéo, je ramasse. Non, ça on peut pas, apparemment. Des cartes. Voilà, ça a l'air d'être de la monnaie vu le bruit que ça fait. Et non, j'ai fait tomber un truc par terre, c'est pas grave. Alors c'est très différent de Vader Immortal, hein, du même développeur, puisque dans Vader Immortal c'était très scénarisé, dès le début il y avait des personnages qui nous parlent, etc. Là, on est d'entrée libre de... Ah, j'ai tout cassé, voilà. Bon, j'ai vraiment besoin des sous-titres parce que j'entends pas bien ce qu'il dit le gars, le robot. I know you wanted to get off Batuu and see the galaxy, but did you ever think it would be as glamorous as doing things like scanning Barth's containers? So,
Ok, je dois scanner trois trucs, mais le troisième, il est où? J'espère qu'il était pas en haut. J'arrive pas à remonter. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? C'est quoi ça? Ah. Ok. Un truc électrique, c'est sûr. Si j'arrive à l'attraper. Pourquoi je l'ai plus? J'ai plus mon outil. Ah, il est là. Non, non, pas ça. Là. Je l'ai mis dans. Je suis trop bête. Oui, là, mais du coup, là. Non, la sacoche, c'est bon, j'ai gardé. Ouf. Vous êtes où, la caméra, là? Alors, on va mettre sur le truc électrique, c'est ça. Ah. Téléporte-toi, s'il te plaît. Il est là, le dernier. Ok. Allez, on scanne. Non, c'est pas avec ça qu'on scanne. C'est. C'était ça. Quoi, ça a pas. En fait, ça a pas scanné là depuis tout à l'heure? Ah, oh, ça avait pas marché. Ok. Excusez-moi. J'ai cru que vu qu'ils étaient peints en rouge, je croyais que ça les avait scannés, mais en fait, non. Quelqu'un vient me chercher ou quoi là? Parce que je suis enfermé au fond là, j'arrive pas à remonter. Peut-être là? Non? Je fais quoi maintenant? J'appuie encore sur le bouton pour savoir. Enfilez votre jetpack. Prenez votre jetpack. On aurait besoin pour quitter le cargo. Mais il est où? C'est ça? Mais. Je vois un truc qui apparaît mais. Ah, c'est. Ok. Ouais, quand on plane, en fait, c'est juste. Hop! C'est comme si on grandissait. Mais. Et je me déplace comment après? C'est à fond? Je fais ça? Et je peux pas bouger! Je peux pas bouger! Qu'est-ce que je. Ça sert à quoi là? C'est quoi ce jetpack de Wish là? Ah putain, en fait, il faut faire le jetpack pour se téléporter ensuite? Mais le jetpack, c'est ça! Oh là 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 là! Ah, ça c'est nul. Ah, ça c'est nul. Qu'on puisse pas se déplacer en volant. Y a plein de jeux VR qui l'ont fait, ça, de pouvoir se déplacer en apesanteur et tout. C'était bien d'ailleurs. C'est dommage que là, ce soit juste. Un truc qui nous surélève comme ça pour ensuite se téléporter. Bon. Ouais. Oups. Un blaster, allez, vas-y, je veux un blaster. C'est où qui m'a dit? C'est la lumière verte? On va changer d'outil. Tac, on peut dévisser. Oui. Oula. Oh. Comment je range l'arme là? Tac ici. Oups. Hello. Look, the First Order is paying a small fortune for a piece of your cargo. And lucky you, we're here to claim it. C'est tout, il y avait que deux ennemis. C'est ça l'attaque qu'on a subie? Ah non. Je vise très mal. Should have given up. We aren't your average raiders, little. Il n'y a pas de lumière verte, c'est pas là. Pas aller là. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, voilà. Je lâche les cargaisons. Hey, idiots! Get in there and make that stop!
Il rentre par où? Ah! J'ai entendu. Oh non! Non! Module de sauvetage. Non, il y a des ennemis. Ils sont bizarres ces ennemis quand même. Ils sont pas très beaux. Non, c'est pas ça que je veux faire. Allez, on fonce. Ah, je sais pas viser. Non, il y en a un autre. Tiens. Actionner pour refroidir. Ah. Non, non, non! Ils ont pas le droit de me tuer pendant que je refroidis là. C'est galère à attraper les trucs au sol. Hein. Je vais faire qu'avec une seule arme. Hein. Meurs! Mais tu crois que je t'ai pas vu? Oh, un autre! J'y suis! J'appuie sur quoi? Sur le gros bouton rouge comme tous les. Non, je veux poser l'arme. Ah! Pas content. Ah. On est dans la cantina. Oh, c'est pas aussi joyeux et musical que dans le film. Ah, enfin un personnage qui bouge. Oh, hey. Welcome in. If you're thirsty, you're in the right place. Comment tu fais pour faire de la réalité virtuelle à toi? Bon, ça va être le truc le plus impressionnant du jeu, je pense, c'est la proximité des personnages comme d'hab en réalité virtuelle. Je veux aller dehors, moi. Oh oui, il y a des gens et tout. Yeah. Et le Faucon Millenium. Ouais, un jeu de fléchettes. Attendez que je fasse gaffe de pas tirer dans la caméra. Hein? J'ai pas envie de casser ma webcam. Ah non, je suis trop nul là, ça, c'est bon. J'ai raté la première. Pas envie de tirer les autres. Ok, ce sont des missions secondaires. Chanson de Sizzle Slack et Snack de Sizzle Slack. Bon, ce sont des missions secondaires. Il y a l'épave de vaisseau cargo. On va faire plutôt ça. Hein. Je peux sortir? Ah. Ok, des environnements extérieurs, c'est bien. Je prends ça. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pas pu lire. Voilà. Oh, made it to the wild. Good. You know, we had that shipment of remote droids on the manifest. Find the crate. On peut pas tomber. Il y a un mur invisible, ça va. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est assez limité graphiquement, évidemment, on est sur Oculus Quest. Mais c'est pas trop mal. Bien qu'au loin, ce soir, on devine un petit peu un papier peint hein, à plat. Bon, il y a quand même du relief hein, sur les roches ici. Pas mal. Oh là là, bon. On va pas aller beaucoup plus loin dans l'aventure, ça dure environ 4 heures a priori. C'est plus long que Vader Immortal, mais vous avez vu, ça prend beaucoup plus son temps. Hein. C'est beaucoup moins narratif que le premier, enfin que l'autre jeu de ILM X-Lab. Parce que... Qu'est-ce que je fous là en fait? Il y a que ça? Non, je peux aller là. J'ai pas mon jetpack? J'ai pas... Ah si. Ah mais voilà, je peux continuer en fait.
Donc c'est Tales from the Galaxy's Edge, il y a des ennemis. Ah oui d'accord, je viens pour les flinguer quoi. C'est un jeu d'aventure action. Bon, je vous avoue, les scènes d'action que j'ai fait dans le vaisseau, c'était pas franchement passionnant. Là pareil, hein. Alors, faut que je pense à faire ça. Oh, je suis déjà mort. Il y a 3 modes de difficulté, ne vous inquiétez pas. Graphiquement, c'est pas mal. J'ai des doutes sur la qualité du jeu global. Le jeu est vendu 29,99€. Je vais pas les attaquer, je vais juste regarder comme ça. Non, m'attaquez pas, je fais la conclusion. Je veux faire la conclusion de ma vidéo tranquille, là. Me tuez pas, s'il vous plaît. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Mais lâche-moi, toi. Lâche-moi. Je fais la conclusion de ma vidéo. Tiens. Donc je disais, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut si ça vous a plu. Je vais essayer de faire d'autres jeux Oculus Quest avec l'Oculus Quest 2 ici présent, dès que j'ai des jeux fournis par Oculus. Vous pouvez commenter en dessous, dites-moi si vous avez le jeu, si vous l'avez terminé, si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Versinge et Torix. Allez, ciao tout le monde!